Depou ou pa gen chance, pa ganyen kan favò. Zanmi myo, koman nou ye? Ou sou zan imigran, gen deux vol ki sou debake nan la kou d'Haïti la, ki fè an total ke peyi d'Haïti resevwa 76 vol. Jou pou jou dat pou dat, jodi an se 19 octobre 2021. Deja an mwa depi peyi Etats-Unis ap voye moun nan ban nou nan peyi d'Haïti. Eh bien, jodi an la kout pral tue koukoua, tande ki sa Panama di. Panama fè konnen ke yo arete 52 immigrants ki fè pati Al-Qaïda. Ou kwè m'ap sauvé, ou kwè n'ap chapé. Sou wè m tris, c'est parce que information a mete m tris. Sou pa comprendre voix m zanmim, c'est parce que information a mete m tris. Nou gen problème, nou chargé problème, nou gen bon problème. Problème yo apil frèm. Tout cheven se problème, tout plim nou se problème. Immigrant yo chargé ak problème. Qui te m'rappelle que une espèce, permettez-moi expression, que États-Unis parle oué, c'est moun Al-Qaïda sa yo. Pays Panama fait qu'on est gen 52 immigrants yo arrêté. Yo ta lié avec des actes terroristes. Alléluia, moi je Jésus. Gen longtemps nan moi cherché. En vérité, m'bab banou matin mériton la prière. Sa pou kouan yen, genye Tony Gonzalez ki fè konnen ke gen environ 100,000 immigrants ki ta dwe pase Panama pou monte Mexique ou bien ki Panama kap monte Mexique. Bon, m pa fin pense ke tèt Tony Gonzalez doit ta semble ke monsieur te fume kek ti bay ou bien tèt monsieur a pa clair. En tous les cas, nous allons détailler information pour pièce par pièce, morceau par morceau, parce que nous chargez problème. Ouais, vraiment pas fouti chargé. Je ne connais ma ban nous tension là. M'pas qu'à monter tension. Parce que information ça on me dit aujourd'hui là, yo fait trembler. Pour nous finir avec déportation, pas de mauvais atterrissage, pas de tête cassée, deux vols atterri dans pays d'Haïti et dans deux vols si là yo qui vient faire que nous gagnons 76 vols que le pays d'Haïti recevoir côté États-Unis, voyez ben nous-mêmes. États-Unis pas chômé, États-Unis pas bail vague, États-Unis compliqué situation pour nous-mêmes. Au jour le jour, ils continuent à prendre immigrants, voyez ben nous. Malgré que température là, malgré que tension, la caille pas bon, mais au même bon côté pas yo, yo pas chômé, yo pas bail vague, y a voyez moun ben nous. Yon bilan ki dépasse 8,000 moun ki ale nan environ 10,000 Haïtien ki deja retourne nan pays d'Haïti. Et si pa gen défaut, gen l'autre déportation encore ki prévu. Et le pire pa bliye que immigrant yo gon caravane a fait, c'est-à-dire que Haïti fait carré recevoir moun, même les que c'est pas seulement Haïti, en pile l'autre pays. Et nous pral avancer nan ça qui gen rapport avec dossier Panama. Je dis, c'est confirmé, me dit nous recevoir deux avions dans question déportation. Mais pas oublier font bagaille pour moi kounya. Si vous pouvez abonner avec channel là, n'a invité au s'il vous plaît. Pesez bouton abonner pour cloche à mettre sous toute pour que nous même nous capable rester connectés ensemble pour que nous même capable gagner tout détail dans mes. En nous virer page là. Gagner un pays Panama qui la gon bombe dans la rue là. Son information qui fait me triste, même gens ou même, ni pral faire triste. Lè que yon pays fait konnen que li arrête moun qui gen rapport avec acte terroriste. Genyen représentant GOPA, non monsieur c'est Tony Gonzalez. Li déclaré que genyen 100,000 immigrants qui a dirigé vers États-Unis. Bref, faut analyser avec nous là, mais spirité nous clair pour nous comprendre moi. Moun sa yo sorti dans Amérique centrale et gen 52 là-dedans yo que yo arrêté dans pays Panama qui gagne rapport avec terroriste, acte terroriste. On faut analyser. Est-ce que c'est pas une façon que y a fait pour décourager immigrants yo? Pour barrer immigrants yo, pour dire immigrants yo non pas venir dans pays États-Unis pas prendre route là. Comment Tony Gonzalez fait camper, il pas étonné
bouche li pas lou, kèl pa serré, tête li pa fait le mal pour le faire connait que gen 100,000 immigrants dans route là qui monté pour États-Unis. Il s'exprimait sur le podcast Réel Américain avec le président du GOP, GOP, Rona McDaniel. Il a déclaré que la situation à Del Rio est la pire que j'ai jamais vue. Gonzalez a déclaré que le ministre des Affaires étrangères du Panama lui avait dit qu'il avait appréhendé 52 migrants ayant des liens avec Al-Qaïda. Et bien qu'elle analyse en tant que moon, en tant que tête pensante, c'est important pour que nous fait. Gagné Tony qui parlait avec responsable dans pays Panama. Responsable dans pays Panama fait connait que il y a 52 migrants qui ont arrêté qui gagné rapport avec Al-Qaïda. Et Tony allait plus loin, pas oublier que madame Erika Mounes a déclaré lui-même à bouche pâlie que il était averti gagné 60,000 immigrants qui a dirigé vers États-Unis. Est-ce que c'est effectif là qui gagne monté pour qu'il arrive 100,000 environ? Est-ce que il y a un effectif de 30,000 qui augmenté qui peut faire que arrive 100,000 ou bien 40,000 qui augmenté parce que madame Nanti dit 60,000? Je pense que dans ce genre de déclaration, ça y a quelque petit fait. Il y a une question découragée, désintéressée. Il y a une question stratégie. Parce que la communication, il y a un gros impact. Communication, il y a des faits importants qui sont capables positifs, comme ça, tout capable négatif. Lorsque un citoyen fait un podcast côté li fait connait que gen 100,000 immigrants, 52 terroristes. Monsieur est certain que États-Unis li pas prend un genre de décision comme ça à la légère. Parce que là, il paraît vraiment compliqué. Surtout ça qui ça veut dire, il veut dire que en pile monde qui prend route ça yo, c'est terroriste que yo yé. Ici un danger pour États-Unis, Canada, Mexique et n'importe pays qui dans région. Si ou arrêter 52 terroristes ou qu'on combien déjà entre États-Unis, on a les noms, c'est traduit, n'a traduit ou qu'on combien qui déjà entre Canada ou qu'on combien déjà Mexique. Ça, ce sont des stratégies pour moi-même qui a découragé immigrants et tout et pour compliquer situation non mais immigrants qui veulent prendre route là parce que pas mon pays réellement qui pral dans ces colis avec les gens qui font partie d'Al-Qaïda. Pas un pays qui tolère ce style nèg ça. Il ne pas fonctionner avec eux. Mais Tony Gonzalez choisit de dire ça. En tous les cas, je pense que moi-même, bon côté pas, par contre, si il y a des gens qui comprennent, c'est une stratégie qui vous dit et qui vous fait immigrer ou pas avancer. Et surtout question 100,000 immigrants, je pense que c'est vraiment banal, 100,000 immigrants dans le Mexique là. Je ne pas fin quoi un chiffre pareil. Parce que madame Erika a annoncé 60,000, pas quoi il y a 40,000 qui t'a augmenté hein. 40,000 augmenté pour faire 100,000. Et ben n'importe pays qui dit, c'est Panama qui dit. Je trouve que c'est un peu drôle parce que Panama c'est lui même réellement qui gagne une idée sous quantité de monde qui passe pour monter dans l'Amérique Nord. Ou sous un immigrant, canal tout immigrant, yo, s'il vous plaît. Restez connecté avec nous. C'est important pour que nous capable porter information pour vous. Bon côté, PAM, ça paye Panama, je pense que c'est une stratégie pour décourager les immigrants. Restez connecté pour tout dernier détail parce que nous avons porté information en plus pour ce sujet-là. Nous avons cherché, nous avons porté. Merci parce que vous avez suivi. Merci, Zan.
Wow, vous voulez toujours connecter et en façon pour capable toujours une vidéo de vous prendre téléphone ou bien computer ou taper Zé Immigrant. Pesez petit pouce là où est-ce qui est qui c'est like là, et puis gros bouton rouge qui c'est bouton abonné, pesez-le et puis pour cloche là, mettez-le sous tout en entrée dans l'information.